c'était votre secrétaire. Vous lui dites de sortir. Ce que j'ai à vous dire ne regarde que vous. Laissez-moi maintenant. Ça ne va pas, monsieur. Mm-hmm. Je vous écoute. C'est vous qui assurez la défense du prévenu, Günther Hausmann. Vous allez vous rendre à la prison pour voir votre client. Oui, c'est normal. Alors, donnez-moi votre nom. Quelqu'un va se présenter chez vous avec un paquet. Faites bien attention à ce paquet. À l'intérieur, vous trouverez un pistolet. Vous l'emmènerez avec vous à la prison. Et le donnerez à Hausmann. Vous êtes malade? Non, je ne suis pas malade. Si vous n'exécutez pas mes ordres, votre femme va mourir. Nous sommes à votre domicile. Vous voulez parler à votre femme? Amène-la. Une minute. Ah! Allez, parlez. Manfred! Hertha. Qu'est-ce que tu as? Parle-moi, chérie. Manfred, tu dois faire ce qu'ils te disent. Ils vont me tuer autrement. Manfred! Maître Rigueur, votre femme a parfaitement compris la situation. Je vous déconseille très vivement d'alerter la police. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Un moment, ma secrétaire. Oui? Oui? Une minute. Excusez-moi, maître, on vient d'apporter... Il paraît que c'est urgent. Des ennuis, maître? Non, non. Je n'y suis pour personne, madame Binder. Excusez-moi. Le paquet est arrivé. Oui, oui. Que dois-je en faire maintenant? Vous le donnez à Hausmann. Discrètement, bien entendu. Vous savez que je ne peux pas faire ça. C'est exclu, je ne ferai pas ça. Vous savez que je ne le peux pas. Vous allez faire ce que je vous dis. Vous n'avez pas le choix. Et je vous répète, si jamais vous alertez la police, je descends votre femme. Ne faites surtout pas le moindre faux pas. Si vous commettez la plus petite erreur, elle sera fatale pour votre femme. Ah, fais ce qu'il te dit. Ce sont des fous. Compris. Vous apportez le pistolet. Vous quittez ensuite la prison. Vous montez dans votre voiture et vous allez jusqu'à la Königsplatz. Vous vous garez et vous attendez. Des heures si c'est nécessaire. Vous attendez jusqu'à ce que le gardien du parking arrive et vous dise que quelqu'un vous attend chez vous. C'est bien compris? Bonjour, maître. Vous venez voir Hausmann? Oui, c'est pour Hausmann. Vous allez au parloir, je vais le chercher. Si. Vous en aurez pour longtemps, maître? Je ne sais pas, disons. Moins d'une heure. Ah bon, vous n'aurez qu'à sonner. Oui.
Avez-vous une cigarette pour moi, cher maître? Non, pas une. Je ne fume pas. Et à part ça, rien d'autre pour moi? Si. Vous savez ce que j'apporte? Exact. Eh bien, Jean. Écoutez, Haussmann, j'ai bien étudié le dossier. Je crois qu'on peut arranger la situation. Enfin, je suis certain que ce genre de méthode n'est pas nécessaire. Arrêtez vos boniments. Vous pouvez avoir confiance en moi. Votre dossier est solide et nous allons en parler. Vous verrez qu'il y a une chance de s'en sortir et nos témoins peuvent nous y aider. Vous vous le collez où vous voulez, votre dossier. Donnez-moi le flingue. Ma femme est votre otage. Elle est très jeune. Et charmante, m'a-t-on dit. Écoutez. Les gens qui ont arrangé ce coup-là ne sont pas des agneaux. Et ils ne sont pas tendres. Sachez que la pitié est le cadet de leurs soucis. Vous saisissez? Cela s'appelle du chantage. Je ne cède au chantage que parce que j'ai peur de vous. Faites attention à vos gestes. Eh ben, ça a été rapide aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'en cueillir une. Oui, maître Rigueur est un ange. Nous avions peu de choses à nous dire. Un de ces jours, maître. Maître Rigueur? Oui. Je suis chargé de vous dire que quelqu'un vous attend chez vous. Oui. Merci. Bertha! Bertha! C'est fini, chérie. Manfred. C'est fini, Hertha. Manfred. Je suis là, mon ange. Oui, je sais, je sais. Allez, calme-toi. Manfred, Manfred. À présent, tout est arrangé. On ne les verra plus, n'aie pas peur. Oui. Rigueur. Comment? Oh, c'est pas vrai, non. C'est arrivé à quelle heure? Oui. Je suis chez moi, oui. Je ne bouge pas d'ici. Que se passe-t-il? Il s'est évadé. Un gardien a été abattu au moment de l'évasion. Non, c'est pas possible. J'ai pourtant... C'est un pistolet à 6 coups. Vous n'avez que 5 balles. Vous en avez oublié une, celle qui se trouvait dans le canon. Le revolver était chargé. Je suis bon à jeter. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je peux mettre une croix sur l'avenir. Cela détruit ma carrière.
toi. Tu as fait ce que tu as fait sous la contrainte. Ce n'est pas une excuse. C'est ma faute si ce malheureux s'est fait descendre. J'ai favorisé l'évasion d'un cambrioleur en lui amenant une arme en prison. J'ai eu beau le faire sous la contrainte, je n'ai aucune excuse. J'ai eu tort. Pour moi, c'est cuit. Il faut que je démissionne. Et tu as retiré les balles de ce pistolet. J'en ai retiré 5, mais j'en ai laissé une. J'ai un pistolet à 6 coups. J'aurais dû y penser. Je devais la retirer. Tu essayais de me sortir de là. Toi, tu n'es pour rien dans tout ça. Tu étais dans une situation extraordinaire. Ces gens-là étaient sûrement des tueurs. Tu sais bien qu'ils voulaient me tuer. Dites-moi, monsieur, le gardien qui a été tué, comment s'appelait-il? Pleitgen. Pleitgen. Je me souviens de lui. Un garçon charmant. Gentil avec moi. Il m'a aidé tout au début de ma carrière. Il disait qu'on lui demandait parfois quel avocat il fallait prendre. Il n'hésitait pas. Maître Rigueur est celui qui est le mieux. C'est comme si c'était moi qui l'avais tué. Non. Vous devez retrouver votre sang-froid, maître. Vous ne pouviez vraiment pas agir autrement. À votre place, j'ignore le genre de réaction que j'aurais eue. Votre responsabilité n'est pas en cause. Je pense que vous serez acquitté par n'importe quel... Ah, je serai l'avocat qu'on a traîné au tribunal. Non. Je suis un homme foutu. Le dossier de Haussmann, vous l'avez? Il est là, coups et blessures ayant entraîné la mort. Haussmann voulait plaider la légitime défense. Il y avait des témoins à charge et à décharge. L'affaire n'était pas désespérée. Il n'y avait, en tous les cas... Il n'y avait pas la moindre raison d'en arriver à tuer quelqu'un. Il avait de la famille? Oui, une femme et un gosse. Il était directeur d'une boîte de nuit. Sa femme y est danseuse. Ah, striptease? Oui. C'est le genre de milieu répugnant, mais j'aurais pu chercher et trouver des arguments de défense. Je comprends pas ce que... Il pouvait attendre le procès tranquillement. Pourquoi? Ouvrez, police! Suffit pas de dire police, encore faut-il le prouver, mais doucement. Vous savez lire? Ça, vous allez vous le coller où je pense. Qui est-ce que vous cherchez? Si vous êtes Madame Haussmann, c'est votre mari. Des policiers, ils cherchent Gunther. Vous cherchez Gunther? Bonjour. Oh, vous pouvez toujours chercher. Voici ma mère. Elle rigole aussi. Si vous cherchez mon mari ici, vous vous gourrez d'adresse. Si vous êtes vraiment des flics, vous devriez savoir où il est. Vous devriez savoir qu'il est en prison. Oui, il s'est fait la malle. Et vous le cherchez ici? Il n'est pas aussi con qu'on le dit. Eh ben, je ne sais pas s'il est con, mais je sais que c'est un meurtrier. Il a descendu un gardien, votre petit ange. Raison de plus pour ne pas se pointer ici. Quel est votre nom? Groscher. Je vous pose la question, Madame Groscher. Vous savez où votre beau-fils se planque? Vous croyez que je le dirais si je savais où il est? Pourquoi le dirais-tu même si tu le savais? Tu le sais pas. C'est ce que je dis, et qu'il s'avise pas de me le demander. Je suis pas née de la dernière pluie et tu le sais très bien. Bon, alors tais ta gueule. J'ai bien le droit de leur dire ce que j'ai sur le cœur aux flics. Salut. Dis-moi, c'est joli, ça? Ça, c'est ma gosse. Vous allez l'interroger aussi? Écoute-moi, chérie, tu sais où papa se trouve? Non. Ça vous aide? Oui. Qu'y a-t-il de fermé à clé? Placard, armoire ou autre? Vous allez me passer les clés. Tout est ouvert. Je n'ai pas de secret pour vous. Fouineur, il faut toujours qu'ils collent leur nez partout. Collez tous en dessus-dessous, bande de malades, et remettez de l'ordre. Tu vas te taire, oui. J'ai encore le droit de causer dans cette baraque. Oh, regarde-moi ça, elle est vachement balancée. Est-ce que t'as vu l'allure qu'elle a? Dans quelle boîte est-ce qu'elle travaille? Tu veux y aller? Renseigne-moi sur les prix avant. C'est hors de prix. Oh, quelle rabat-joie, tu veux te la conserver, hein? Est-ce qu'on va la surveiller? Tu parles 24 heures sur 24. On surveille les entrées, les sorties et le sous-sol. Tiens, mets ça au placard. Est-ce que tu supposes qu'Haussmann risque de se pointer? C'est une amie à toi? Mon amie, c'est Madame Haussmann. On recherche son mari. Compris. Elle est sous surveillance. Tu transmets à Richter. Tu mettras tout le monde sur le coup. Tu as le temps de recevoir la presse? Ça n'est pas le moment, tu m'excuseras. Tu penses que cette réponse va satisfaire ces messieurs? Ils sont tous sur les nerfs.
C'est pour les gros types de ce soir. Oui, ils attendent du sensationnel. Que le procureur s'en occupe, il fera ça beaucoup mieux que moi. Oh, on vous attend, Eric. Oui, mais je n'ai rien de nouveau. J'attends l'avocat d'une minute à l'autre. Alors, qu'est-ce que je peux bien... Je n'ai rien d'autre à ajouter. Où est-ce que vous en êtes? Oh, à peine au début. J'ai pas une piste. On ne sait pas à quel mobile il a, ni même où il se... Mais qu'est-ce que je dis à la presse? Rien, on ne lui dit rien du tout. Mais qu'est-ce que je dois faire? Vous allez faire un beau sourire, ils seront subjugués, et pas un seul mot de l'histoire. Qui sont ces camarades? C'est la seule question à laquelle il nous faut répondre, mais il doit en avoir des quantités. Il a dû trouver du secours parmi eux. C'est notre seule chance. Il était directeur d'une boîte de nuit. Ça fait pas mal de gens à surveiller. Oh, j'en suis très conscient. Nous avons un informateur dans le secteur. Oui, oui, j'ai pu le joindre. Il connaît Haussmann. Il dit que c'est un gars très brutal, un sale type. Colle-le sur cette affaire tout de suite. Qu'il contacte tous les indices qu'il connaît. On va avoir besoin d'informations. C'est parti. Stéphane. Oui. Derek. Oui. On s'amène maintenant. Maître Rigger, à l'hôpital central. Il s'est mis une balle dans la tête. Bonsoir, Madame Rigger. Comment est-ce qu'il va? Il est vivant. Il est encore vivant. Que s'est-il produit? Il s'est enfermé dans sa chambre. J'ai entendu un coup de feu. Son pistolet. J'aurais dû lui confisquer avant cette bavure. Madame Rigger, vous pouvez entrer. Police criminelle, je m'appelle Derek. Voici l'inspecteur Klein. Il va s'en tirer? Aucune chance. Bonjour, messieurs. Puis-je me permettre de vous offrir un verre? Non, non, pas question. Je m'attendais un peu à vous voir débarquer. C'est pour Haussmann, je pense. Exact. Vous avez deviné. Vous avez une piste, hein? Non. Il s'est complètement évaporé. Oh, je suis désolé. On ne vous a pas parlé de lui? Moi? Ah non, pourquoi? J'ai rien entendu dire. Haussmann dirige cette maison. Non? Oui. Merci. Il y avait longtemps? Oh,
Oh, je crois que ça faisait 2 ans. Sa femme travaille dans la boîte, c'est une de nos vedettes. Elle a voulu que nous le prenions ici comme gérant. Et j'ai pas pu dire non. C'était un garçon charmant, très compétent. Donc vous avez accepté de le prendre dans la boîte? Oui. Parce que sa femme le voulait. Eh oui. Elle nous aurait quitté autrement. Qu'est-ce que Haussmann faisait avant? Oh, j'en ai pas la moindre idée. Je peux dire que c'était un bon patron. Oui, vous m'étonnez. Il était en tôle pour coups et blessures, ayant entraîné la mort d'un de vos bons clients. Non. C'était pas dans la boîte, ça s'était passé à l'extérieur, dans la rue. Et cet homme était complètement ivre et il avait provoqué Haussmann. Il importunait Irina Haussmann par sa tenue. Alors Haussmann l'a mis dehors, mais c'était son devoir, c'est pour ça qu'on le payait. Quelle était sa relation avec sa femme? Oh, bonne, excellente, même extraordinaire. Qu'entendez-vous par extraordinaire? Vous voulez dire quoi, au juste? Qu'on ne les voyait jamais l'un sans l'autre. Voilà ce que je voulais dire. Donc, c'était des relations passionnées. Haussmann est resté 3 mois en prison. Et pendant 3 mois, il n'a pas vu sa femme. Quel problème pour ce père. Ah oui, bien sûr. Oui, est-ce que vous croyez que c'est pour ça qu'il a pris la fuite? Je me le suis demandé, mais j'en sais rien, absolument rien. Deux scotch. Walter. Est-ce que c'était le poulet? Sans doute. Je crois qu'elle voit son mari. Quelque part et souvent. Il ne reste qu'à trouver où. Tu as couché la petite? Oui, elle dort. Vous écoutez Bayern 3. La police lance un avis de recherche concernant l'homme qui s'est évadé de la maison d'arrêt de Munich après avoir abattu un gardien, Gunther Haussmann, qui est toujours en cavale. Il est âgé d'environ 29 ans, mesure 1m89, a les cheveux blonds et la barbe. Il porte un complet bleu marine et une cravate rayée bleue et rouge. Toute information permettant de faire avancer l'enquête peut être transmise à l'hôtel de police de Munich ou à toute... Bande d'idiots. Un avis de recherche. Günther. Chère madame, veuillez accepter toutes mes condoléances. Merci, ce n'est pas pour cela que je viens vous voir. Je venais vous proposer mon aide. Votre aide? Vous avez dit tout ce que vous saviez. Et les gens qui m'ont prise en otage, je ne les ai pas vus, donc les décrire m'est impossible. Mais je les ai entendus. Je pense pouvoir reconnaître leur voix. Oui, naturellement. Le moment venu, vous me ferez une déposition. Vous n'avez rien trouvé. Vous devez tout d'abord avoir un suspect auquel vous me confronterez afin que je puisse identifier qui c'est. C'est une question de temps. Vous risquez d'en perdre un peu alors que je pourrais tout de suite vous aider. Laissez-moi assister à vos interrogatoires. Emmenez-moi avec vous au cours de vos enquêtes. Non, je pense que ce serait une erreur, madame Rieger. Bien avant qu'ils aient ouvert la bouche, les hommes que nous cherchons, qui ne sont pas des enfants de cœur, auront pu vous reconnaître.
Parce que eux vous ont vu. C'est un risque, je sais bien, mais... Venez vous asseoir. Je comprends votre démarche. Je sais bien dans quel état vous êtes. Non, je ne le crois pas. J'ai passé la nuit entière à me pencher sur la situation. Je sais que tout est ma faute. Sûrement pas, Madame Mayer. J'ai dit à mon mari de faire ce que voulaient ces gens. J'avais peur de mourir. Je n'ai pas pensé à Manfred une seconde. Vous avez tort de penser cela. Mais non, j'aurais dû le supplier de refuser de faire ce qu'il voulait. Je suis certaine que jamais il n'aurait tiré. Il se serait rendu compte qu'il n'en tirerait rien. Que cela ne leur servirait pas de m'abattre. Peut-être aurait-il tout laissé tomber. C'est une question à laquelle personne ne peut répondre. Votre mari a pensé sans doute le contraire. Vous n'avancez pas dans votre enquête. Ce Haussmann a des copains dans tous les coins. Il faut connaître ceux qui peuvent lui venir en aide. Oui, c'est ce que nous essayons de savoir. Je désire participer à l'enquête. Je ne dirai rien, je ne ferai rien, je me contenterai d'écouter les voix. Non, Madame Rigger, c'est hors de question. Ce que nous recherchons, ça vaut si que vous avez entendu leur voix. Ils voudraient s'en prendre à vous. Est-ce que vous êtes seule chez vous? Non, ma mère vient d'arriver. Ah, j'en suis très heureux. Harry, tu raccompagnes Madame Rigger chez elle, tu veux? Et que voulez-vous de moi? Je ne réponds à aucune question, je ne sais rien. Nous pensions que chez vous, vous auriez moins peur qu'ailleurs. Peur? Peur? Mais pourquoi est-ce que j'aurais peur? Non, je n'ai pas peur. Mais pourquoi vous me collez votre truc sous le nez? Je peux l'arrêter maintenant. Bon, écoutez-moi, Monsieur Tolpe. Nous avons une liste très complète de noms, des noms d'hommes, naturellement. Tous copains de Haussmann, bien entendu. Oui, et en quoi ça me regarde? Pour parler de Haussmann, vous n'êtes pas à la bonne porte. C'est pas à moi qu'il fallait venir vous adresser. Lisez donc cette liste et on verra ensuite. Vous pouvez nous dire avec lesquels il était le plus copain? Est-ce que vous supposiez que j'allais vous les donner? Pas besoin de nous les donner. Vous allez souligner les noms. Vous avez tort d'avoir peur de lui. Ils vont me tuer pour ça. Voyons, essayez d'être un homme une fois dans votre vie. Alors, vous vous amenez, oui? Ça va, t'énerve pas. La police était chez moi. Pourquoi? Pour Haussmann. Chez moi aussi. Ils étaient dingues. Je me suis retrouvé avec des flics partout. Comme si je savais où Haussmann se trouve. Et alors? Ils ont dit que c'était mon copain. Je leur ai dit, bien sûr. C'est un de mes copains. Et vous aussi, vous êtes des copains. Des copains et des protecteurs. Mais j'ignore où vous êtes et ce que vous foutez. Je suppose qu'ils n'ont pas apprécié du tout. Je leur ai dit, messieurs, si le gardien de la tôle s'est fait rectifier, c'était sa faute. Pourquoi qu'il s'est défendu? Il se rendait compte qu'il avait un flingue sous le nez. Fallait rester tranquille. Ils sont venus chez toi aussi? Non, je n'ai pas encore eu cet honneur. Oh, ça va venir. Ils iront partout, parce qu'on est tous sur leur liste. Ah, j'en sais rien où il se trouve. Comment vous voulez que je le sache? Vous croyez qu'il va squatter chez moi comme ça? Il y a longtemps qu'il a dû se faire la malle. Vous supposez pas qu'il va rester à Munich? Je comprends pas pourquoi il est descendu ce type. Il n'était pas obligé. Moi, je crois qu'il a un otage. C'est la seule façon qu'il ait de se tirer d'affaire. Ou alors, il est foutu. Encore, voulez-vous? Reviens en arrière. Moi, je crois qu'il a un otage. C'est la seule façon qu'il ait de se tirer d'affaire. Ou alors, il est foutu. Non. Je dis, bien sûr, c'est un copain. Vous aussi, vous êtes des copains. Non. Des copains et des protecteurs. C'est pas celle-là. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Ça, c'est le serveur. Je question, je ne sais rien. Nous pensions que chez vous, vous auriez moins peur qu'ailleurs. Peur? Peur? Mais pourquoi est-ce que j'aurais peur? Non, je n'ai pas peur. Non. Mais pourquoi vous...
derrière le banc. La première à minuit. Erzsprung et Zoller jusqu'à 4. Bierlein et Jürgens jusqu'à 8. Ce sera tout pour la nuit? Oui. Encore une chose, la nuit, c'est son domaine, ne l'oubliez pas. Un moment, les gars. Surtout, n'oubliez pas aussi que le bonhomme est un tueur. Il vous tirera dessus sans hésiter. Je les ai déjà prévenus. Le conseil valent mieux qu'un. Entendu, inspecteur. Alors, excuse-moi, c'est important. Que devient notre stripteaseuse? Elle n'a pas quitté la maison de la journée. La vieille et la gosse sont sortis. Ah oui, pourquoi faire? Pour se balader. Se balader? Ouais. Tu ne démords pas de l'idée qu'Haussmann rejoindra sa femme? Non, j'en suis sûr et certain. Ouais, mais enfin, s'il a du bon sens, il n'y Il n'a aucun bon sens et sa femme encore moins. C'est toi le patron. Et maintenant, Stéphane? On va passer une bonne petite soirée dans cette boîte de nuit. Je crois que c'est la seule façon d'avoir une possibilité de le retrouver. Vas-y, arrive. Et dis-lui de me ficher le camp. Mais ils nous connaissent. Si j'y vais, je leur mets la puce à l'oreille. En aucun cas, il ne doit rester. Il risque de nous gêner. Vous attendez quelqu'un, madame? Non. Vous désirez? Une bouteille de vin, demoiselle. Bien. Bon, alors. Que faites-vous ici, madame Rigger? C'est la femme de Haussmann. Oui, c'est bien elle. Je vous ai pourtant demandé de ne rien faire par vous-même. C'était clair. C'est une jolie personne. Pensez qu'elle peut savoir où il est. Allez, venez, je vais vous reconduire. Non, je viens de commander une bouteille. Je me chargerai de tout ça, je vous en prie, ne restez pas ici toute seule. Non, je ne veux pas sortir. Haussmann était le directeur. Oui, il était le directeur. Donc, on doit trouver certains de ses amis. Madame Rigger, c'est beaucoup trop dangereux de rester. Je me moque du danger. Je ne bougerai pas. Le meilleur. Vous êtes un collègue de Monsieur Haussmann. Je m'excuse. Vous connaissez Haussmann? Oui. C'est M. Tolp. Nous avons pris soin de lui parler et vous avez entendu sa voix. Je suis Mme Rigger, la femme de l'avocat. Vous savez où Haussmann peut être? L'inspecteur m'a déjà posé la question. Je n'en sais rien. Je vous ai déjà dit que je ne savais rien. Vous permettez? Je vous en prie. Tolpe, hein? Pourquoi tu fais cette tronche? Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien du tout, Günther. Rien du tout, excusez-moi. Je croyais que c'était pour Irina. Non.
Le whisky, c'est pour moi. Ah, bon, entendu, Günther. Excusez-moi, je dois y aller. Attends une seconde. Est-ce que la police t'a interrogé? Oui. Ils étaient chez moi et m'ont posé des questions. Et... que voulaient-ils savoir? Ils ont demandé où tu pouvais être. Qu'est-ce que tu leur as dit? J'ai répondu que j'en avais aucune idée, bien sûr, que je n'en savais rien. C'est pas à moi qu'il fallait dire ça. J'ai répondu que s'ils attendaient que je cause, ils pouvaient toujours courir. Tu leur as dit ça, hein? Oui, c'est ce que je leur ai dit. Günther, tu sais, à propos, les flics sont dans la boîte. Oui, je suis au courant. Il faut surtout ne pas faire de bêtises. Ne t'inquiète pas pour ça. Oh, je voulais te le dire, Günther. Irina, je peux... Eh ben, rentre, Palm. Et dis donc, toi aussi, on dirait que tu as peur. Tu fais dans ton froc, comme d'habitude. La police est dans la boîte, tu le sais. Oui, je sais, alors. Tolpe m'a dit qu'elle était là. Mais merci quand même. Tu bois un godet avec moi, vieux? Bien volontiers, seulement... il y a le bureau, faut que j'y retourne. J'ai pas le temps. Pourquoi ça? Parce qu'il faut que je sois au téléphone. Laisse tomber ton téléphone. Tu refuserais de boire avec moi aujourd'hui? Mais non. Entrez. Salut, Günther. Salut, les gars. Palm. Approche. Plus vite que ça. Tu vas aller nous chercher deux verres et une bonne bouteille. Toi et pas un autre. Allez. Grouille-toi. Merci, Dryer. Vraiment pas de quoi. J'allais pas te laisser moisir en tôle. Il n'y avait aucun problème. Enfin, pour nous, il n'y a pas eu de problème. Mais toi... Que voulais-tu que je fasse? Tout le monde m'a sauté dessus. Et ce con d'avocat, ça vient de lui, le problème. Il a sorti les balles du chargeur, cette andouille. Du pot qu'il ait oublié, le canon. C'est le seul moyen que j'ai eu pour m'en sortir. Et pas un autre. Allez, ça va, asseyez-vous. Allez, venez. Palme va revenir. T'as vu sa tronche? Il a les chocottes. Oui, il fait dans son froc à chaque fois qu'on ouvre une porte. Oui, très bien. Viens, Palme. Quel beau serveur on a. Il se débrouille bien. Il sait remplir les verres. J'espère. Qu'est-ce que tu regardes? S'il va trembler ou non. Allez, serre-nous, Palm. Qu'est-ce que je te disais? Si ça continue, il va s'écrouler. Allez, donne-moi ça. Quel poule mouillé. T'as fini de trembler comme ça? J'aime pas que les flics rôdent dans le secteur. Tolpe raconte que la femme du mec qui s'est suicidé est dans la salle. Débine-toi, Palm. Dehors. T'as entendu? Vous êtes entrés par la salle, tous les deux? Elle te fait aucun souci. Elle ne sait pas qui on est. Elle avait les yeux bandés. Elle ne peut pas nous reconnaître, elle était aveugle. Oui, mais pas sourde. Et qu'est-ce que tu veux dire? Avez-vous causé avec elle? On a papoté quelques minutes, oui, mais... Dis à Tolpe de venir.
Habille-toi. Quand les flics sont venus chez toi, ils avaient un magnétophone? Oui, un magnétophone. Monsieur Tolpe? Oui. Combien je vous dois? Tout de suite. Un moment, monsieur, excusez-moi. Où est-ce que je... Je suis désolé. Combien ça fait? 40 marques, monsieur. Non, non, ça va, garder tout. Ah, merci. Ce type a la trouille, ça se voit, il a la trouille. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je n'en sais rien. Venez, madame. Où est votre voiture? La deuxième, là. Harry, tu vas accompagner madame Rieger. Non, c'est inutile, je peux pas rentrer. Pas question, j'ignore ce que vous avez envie de faire. Allez voir sa femme, peut-être. Oui, j'aimerais assez. Vous devez rentrer chez vous. À partir de maintenant, vous ne faites plus un pas toute seule. Ramène-la, Harry, je rentre une minute. Donnez-moi les clés, s'il vous plaît. Vous attendez une seconde. Pourquoi faire? On ne sait jamais. Ces gens sont capables de tout. Ça va, je crois qu'on peut y aller. Oui? Si vous racontez quoi que ce soit, madame Rieger, vous risquez gros. Vous tremblez, on dirait. Ravi de vous entendre. Allô? Allô? Cette fois, vous l'avez reconnu? Oui, oui, c'était bien lui. Que vous a-t-il dit? Si la femme devant la fenêtre était... Maman.
Vous avez espéré que Haussmann se pointerait dans la boîte? Oui, je l'ai espéré. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas exigé qu'on vous donne des renforts? Vous auriez dû faire boucler tout le quartier. Pour qu'ils soient prévenus tout de suite. Il fallait avoir une centaine d'hommes. Où est-ce que je les aurais cachés? Notre seule chance était que Haussmann se sente en sécurité. Il fallait que sa femme soit arrêtée. Non, ça n'était pas la peine. Vous avez pensé à Mme Rieger, dont la mère vient d'être menacée de mort? Écoutez-moi un instant. Ce ne sont pas des choses que j'oublie. Derrick, vous songez à ce qui pourrait se produire? Oui, j'y pense. Bien sûr que je connais Haussmann. Il faisait réparer sa voiture dans mon garage. Seulement, quant à dire que c'était un copain, il y a une marge. Un bon client, c'est certain. C'était un excellent client. Est-ce que c'est vraiment utile? Ça vous dérange? Non, non. Et donc, chez vous, c'est la mémoire qui craque? Oh oui, souvent. Chez vous, elle marche, hein? Oui, elle a toujours marché. Ça vous embête de couper le moteur? Si vous payez le boulot que je perds, au contraire. Pour une minute, ça va chercher loin? Pas nécessaire de le prendre sur ce ton. Hé! Hey, raque-moi ce bidule une seconde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un garagiste. Il s'appelle Dreyer. Bien sûr que je connais Haussmann. J'ai réparé sa voiture dans mon garage. Seulement, quant à dire que c'était un copain, il y a une marge. Un bon client, c'est certain. C'était un excellent client. Est-ce que c'est vraiment utile? Ça vous dérange? Non, non. Dites donc, chez vous, c'est la mémoire qui craque. Oh oui, souvent. Chez vous, elle marche, hein? Oui, elle a toujours marché. Ça vous embête de couper le moteur? Si vous payez le boulot que je perds, au contraire. Corinne. Non, c'est pas lui. C'est pas cette voix. Madame Rieger. Non. Non, je vous assure. Entendez. Merci. Je suis sûr qu'elle l'a reconnu. Oui, oui. Seulement, elle ne dit rien parce qu'elle a la trouille. Elle a la trouille pour moi. Il faut prendre les choses par un autre bout. Crois-moi, j'ai une petite idée là-dessus. C'est sûrement par sa femme qu'on arrivera à une solution. La femme doit être chez elle, autrement je l'aurais vue sortir. Est-ce que tu as vu la gosse ou la grand-mère? Oui, la vieille femme est descendue pour aller faire des courses, mais très peu de temps. Et moi, qui se charge des sorties de secours? Et Becker est de l'autre côté. Je vais l'avertir que vous y allez. Oui. Becker? Une souris n'arriverait pas à se glisser. Un peu plus loin, il y a Bertolt, parce que d'ici, j'ai un angle mort. Ouais. L'inspecteur Klein vous demande. Merci, j'arrive tout de suite. Merci. Harry, dans quelques instants, je monte. Ça mène dans 5 minutes. Allez, vous faites vos paquets, Madame Haussmann. Le strict nécessaire, affaire de toilette, un peigne, une chemise de nuit, si vous en mettez, et pas autre chose. Vous allez m'arrêter? Oui. Et pourquoi? Complicité dans une tentative de meurtre sur un policier. Votre cher mari m'a tiré dessus. C'est une idiotie de l'arrêter pour ça. Mais pensez à la gosse. Si elle ne va pas à la boîte, on n'aura plus un rond. Vous voulez que nous crevions de faim toutes les deux? Faites vos bagages. Je vous garde tant que vous ne me direz pas où est cachée votre ordure de mari. Vous pensez que moi, je vais vous le balancer? Oui. Vous pensez que vous allez m'intimider? Oui. Vous perdez votre temps. Vous savez, vous n'êtes après jamais. Alors? Tu peux arrêter les frais, Stéphane, on l'a piqué. Quoi? Vous l'avez pris? Oui, il y a une heure environ. Et tu le dis maintenant? Je suis désolé, mais tu sais... À quoi je sers, moi, ici? Oui, ça va, tire-toi, allez, oust! Tout est arrangé. Qu'est-ce qui est arrangé? Non, rien, ça ne vous regarde pas. Que se passera-t-il si elle ne sait pas où il est? Elle sait où il est.
Elle va y aller pour voir si on lui a menti ou pas. Bon, mais pourquoi elle ne descend pas? Parce qu'elle n'est pas aussi idiote. Elle a tout son temps. Aussi. C'est pas elle qui va nous avoir. Rien. Elle ne sort toujours pas. La mère non plus. La gosse non plus. Qui surveille le téléphone? Et je te dis. J'écoute. Madame Haussmann a appelé un taxi. Où est-ce qu'on va? Maximilianstrasse. Quel numéro? 13. Qu'elle marche dans la combine? Elle doit savoir que nous n'avons pas son homme. Comment le saurait-elle? Personne ne l'a appelé. Si, si, elle doit le savoir. Pour une bonne raison. Haussmann est peut-être chez lui. Chez nous. Où est-il? Où il est? Où il est? Comment voulez-vous que je le sache? Oh, vous vous croyez malin? Eh bien, cherchez-le donc tout seul. Fouillez dans les armoires. Vous voulez aussi voir les lits? Vous gênez surtout pas. Allez-y, collez toute la maison en l'air. J'ai pas resté. Thank you.
Ne restez pas là, rentrez chez vous.